Les gars, aujourd'hui, vous avez le droit de faire halal sur la vidéo. Okay. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si ça se passe bizarrement aujourd'hui, on s'excuse d'avance. Ah ouais, ça va être compliqué, hein, ça. Bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on va tester et comparer tous les pistolets massages. Vous avez le droit, lâchez-vous, vous faites un bordel. Donc, on en a reçu 10. Vous allez me dire, comment t'as fait pour avoir 10 pistolets massages gratuits? Moi, j'ai pas reçu le mien, frère. Bon, ils veulent pas me poser la question. On a dit à tout le monde qu'on allait faire une sponsor. Il y en a pas un qui a eu une sponsor. Voilà, on est nouveau dans le game, on a compris comment ça se passait. En gros, quand t'es youtubeur, par exemple, je vends ce pistolet de massage là, Jolt. Je vais faire un mail, je vais mettre tous les mails des youtubeurs fitness et ils demandent est-ce que vous pouvez faire une vidéo là-dessus, on vous envoie le produit gratuitement. Mais on fait pas de vidéo finalement. Juste un truc. Oh là, je repars avec un des pistolets. Ouais, t'as vu les prix. On vous en parlera après. On a accepté toutes les demandes. On les a acceptées. Oui, on fera une vidéo sur vous. Il est mort. Donc, nous, on a accepté tout. Je me suis pas entraîné. Il doit t'imiter comme ça. Pourquoi j'ai dit ça à l'aide? Donc, nous, on a accepté tous les pistolets de massage. Et on se retrouve avec 10 pistolets de massage aujourd'hui, durant une période de 6 mois. En fait, c'est depuis la première vidéo du pistolet de massage de Body Time, vous vous rappelez, on a fait 2-3 belles vidéos dessus, donc allez voir. Tu l'as pu réutiliser en plus, ça va. On va en parler justement à la fin de vidéo. Je vous montrerai l'état du pistolet massage. Vous voyez déjà la sangle ici. Ça, c'est ta faute, frère. Ah, tu vas le faire regagner aussi, ça? Tranquille. Donc, tous les pistolets de massage, on les a eu gratuitement. Celui-là, on l'a acheté et c'est à la suite de cet achat qu'on a eu tous les pistolets. C'est à la suite de cette vidéo. Donc, est-ce que j'avais bien fait de l'acheter? Non. Au final, on a eu 10 pistolets de massage. On a 12 000, frère. Voilà, donc 250 €, mais on en a eu 10 derrière. Et bon, c'est quoi la différence entre les tous, hein? Bah justement, on va voir. T'es là pour ça. Body Time, on le fera en fin de vidéo. C'est ce qu'ils attendent. Ils veulent voir l'état du pistolet. On verra ça à la fin. Donc vous voyez, on a que 14 000 abonnés et il y a déjà des marques qui se battent pour être visibles sur notre chaîne YouTube. Donc moi, je trouve ça bizarre. En fait, parce qu'ils ont vu qu'on a fait beaucoup de vues sur la vidéo. Ouais. Ils disent... Mais on comprend quand même que les youtubeurs, ils ont un pouvoir. Parce que même avec une petite communauté comme ça, en fait, on est capable de vous vendre tout et n'importe quoi. Bien sûr. Donc nous, on voulait pas vous en choisir un seul et vous dire lui c'est le meilleur, achetez-le, merci pour nous, parce qu'on va toucher une commission dessus. On s'est dit on va accepter tous les pistolets de massage, on va élire le meilleur et on va vous dire celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais bien sûr, pistolet de massage, dans les autres vidéos, on vous l'avait dit, est-ce que c'est utile? Ouais, ça dépend pour qui, moi j'ai la flemme. Ça dépend pour qui, voilà. Mais ça reste un gadget, on est d'accord. C'est pas avec ça, frère, que tu vas récupérer après une séance cuisse, t'auras mal quand même. Je récupère quand même, mais il n'y a rien de mieux que les étirements et l'alimentation. Voilà, on voulait vous dire, méfiez-vous de vos youtubeurs préférés, parce qu'ils sont là pour vendre. Nous, on veut pas vous vendre de la merde, on va les comparer et vous donner le meilleur. C'est lui, là, il vend des trucs bizarres. Est-ce que vous avez vu des youtubeurs en faire la promotion? Non. Ouais. Moi j'en ai vu. T'as pas vu? Donc vous, si vous les avez vus, c'est pour ça. C'est juste qu'ils ont été contactés par une marque. C'est pas que ce produit. C'est pas que ce produit est magique, on est d'accord. C'est juste qu'ils ont été contactés. Voilà. Ils ont reçu quelque chose de gratuit. Ah oui. Et si vous étiez à leur place, vous feriez autant. Voilà. Gazinga, c'est qui? C'est lui qui fait du gaz. Le but en ce moment des marques des pistolets de massage, c'est tout nouveau. Ça fait 2 ans que ça existe et ils essaient d'inonder le marché. C'est pour ça qu'il y en a partout sur toutes les vidéos en ce moment. Donc méfiez-vous. Réfléchissez bien. Est-ce que c'est un indispensable pour vous? Non. Est-ce que vous avez le budget pour l'acheter? Parce que ceux-là, ils vont deux. Il y en a 10 devant vous. Je sais pas si vous les voyez tous. 60 € à 400 $. Ok, le plus cher. Bah justement, vous savez, j'aime bien les jeux, on a joué à qui veut gagner des millions, on a joué à plein de jeux. Aujourd'hui, on va jouer au juste prix. Tous les pistolets de massage qui sont là, donc il y en a 10, on vous les offre tous les mois sur la chaîne Fitness Fusion. Il suffit de faire quoi, Pimousse? Parce que c'est aussi ta chaîne. Juste... Ouais, c'est vrai. Faut juste utiliser le code Fitness Fusion sur QNT. Même t'achètes un shaker, tu rentres dans le giveaway. Là, donc on va... là, on va se masser. Et tu veux qu'en fonction du pistolet, on essaie de... C'est bizarre.
Donc le but du jeu, c'est simple, c'est de tester rapidement et de donner le prix. Donc, les prix sont affichés là-bas, vous les verrez à votre écran. Et on va ouvrir le premier, donc c'est le Jolt. L'emballage, vous en pensez quoi? Vite fait, franchement. Stylé, j'aime bien. Stylé, on est d'accord. Vous voyez à peu près les autres. Franchement, propre, à première vue. On pourra faire le même truc, mais avec des seringues. What the fuck? Donc le premier, le Jolt, c'est Pimous qui va le tester. Il ressemble à ça. On dirait ses cheveux, oui. Non, il est stylé et dedans ça ressemble à ça. Voilà, donc stylé, vas-y, mets en bout. Tu préfères lequel dans ton cube Bastos? L'anal. Non, celui-là. Oh, ça, Bastos, il va aimer. Donc, laquelle vitesse? C'est la une. Une, mets-le à fond. Je crois que j'en prendrai pour la meuf ce soir. Je vous ai dit, Bastos, c'est quoi ça? Mais 20, mais c'est une tondeuse ou ça? Ouais, 20, mais 20, ça correspond à quoi? Ah ouais, c'est vide, ouais, j'attends. Là c'est puissance max. Il va fort, hein. Il est pas mal. Il est pas lourd. Non, il est léger. C'est important. Tu peux le prendre en main facilement et la puissance elle est pas mal. C'est validé. On donne un prix ou pas? Pour vous, à votre avis, il coûte combien celui-là par rapport à tous les prix qu'il a affichés là-bas? 170€. 89$. Non frère, t'abuses. La grande sœur. Donc 170, 80, 149$, ça vous va? 89. Ouais, vas-y. 89. Pour moi, il vaut peut-être même plus que 169. Non, 89, c'est un joke, oui. Oui, mais il faut vous mettre d'accord. Ah, et c'est pas chacun son tour? Non, c'est vous. Ah, bah vas-y, 149. Mais 149. On va tester. Non, bah c'est trop cher. Le Evertop. Je l'emballage. Oui. Vous en pensez quoi, vite fait? J'ai dit que ça, on dirait assez chaud. Même si c'est le plus cher, j'en veux pas, là. Vite, ma mère. Ah, c'est pas le plus cher, c'est sûr et certain. Lui, il est pas le plus cher. Je te dis pourquoi, il y a même pas de pochette. Il y a un carton. Il y avait frère. Oh, lui, il vaut rien du tout, frère. Ah, oui, c'est un truc en toc. Ah, ouais, mais il est démonté, la flemme de roman. Donc là, on est sur le Evertop. 89€ pour moi. Ouais, c'est ça, cousin. On en a besoin. Les gars, je vous autorise à faire la halal. Les gars, aujourd'hui, vous avez le droit de faire halal sur la zéro. Okay. Hey, les gars, ça c'est pour les abonnés, donc ne les cassez pas. Mais ça vient d'où? C'est cool ça, cousin. Mais on peut même pas l'allumer. Donc vous voyez, c'est un délire. Celui-là, c'est le plus original qu'on a reçu. On le jette. Et il est dégueulasse, les gars, parce que je l'ai chargé pendant une semaine. Pas moyen de l'allumer, pas moyen de le charger. Il y a aucun truc qui correspond. C'est chinois. 660 balles. Et c'est le pire qu'on a reçu. Pourquoi? Parce qu'il est lourd, il est vraiment pas beau. Il y a plein de manches. T'es ma frère. Montre tout, montre tout. Bastos, il aime bien dans son cul, ça. Voilà. Arrête, il y a son daron, bâtard. Donc celui-là, c'est vraiment celui qu'on vous déconseille. Et on a bien fait, franchement, de tous les comparer. Parce que imaginez, il n'y a qu'une seule marque qui vient nous voir, c'est Evertop. Et ils nous disent, bah mettez-le en vente sur votre site. Et nous, on vous vend de la merde. Donc voilà pourquoi on fait cette vidéo. C'est vraiment de la merde. N'achetez pas ce pistolet. Oh, ouais, c'est le moins cher, 89€, frère. T'es fou. Non, c'est 60 balles. 60 balles. Peut-être c'est un faux test. 89. Qu'est-ce qui est cher, il est pourri. 89, frère, c'est sûr. Le moins cher possible, 89. 79. Il n'y a pas 79. Si, il y a 79. 79. Evertop. Evertop. Top, mais quoi son nom, ce bâtard. Top Fitch, tu peux y aller? Donc vous voyez, c'est toujours des sacoches, sauf pour l'avant-dernier, là, qu'on vient de. C'est le même que tout à l'heure. Ouais, c'est le même. Il n'y a même pas besoin, c'est le même. C'est juste le nom qui change. C'est le nom qui change, c'est exactement. Bah, même dans celui-là. Fais voir. Donc voilà, ça, vous allez voir beaucoup, les pistolets massage se ressemblent. C'est exactement les mêmes. Là, Charles AliExpress, c'est exactement les mêmes. Ah ouais, c'est du packaging. C'est les mêmes. Donc c'est juste la marque qui change et surtout le prix. Donc faites-vous pas avoir. Attends, fais voir s'il y a le même nombre. Ouais, c'est le même. Jusqu'à 20, c'est le même. Donc le Jolt, qui lui ressemble beaucoup, vous lui avez donné 150$. Moi je mettrais 169 à celui-là, moi il est plus cher alors que c'est le même. 169 donne pas l'heure. Sachant que 149 c'est déjà pris. Ah, il est déjà pris. Déjà pris, frère. 149 c'est le même. Moi je dirais soit 89. Hein. Ouais, 89. On passe à Abox. C'est pareil, c'est le même que Jokefit. Donc voilà, un petit carton, sacoche, on l'a pas toujours. Ah, et surtout une sacoche. Ça c'est important, ça fait pro. La sacoche elle est plutôt pas mal. Hein. Non, ça va, il est lourd. Donc c'est le menu, hein. Quand il dit HD, c'est le menu bien éclairé. Ouais. C'est pas toujours comme ça. Il fait du bruit, frère. Hein. Wesh, niveau 20, ça va. Wesh, niveau 30. Frère. Niveau 30, ouais, on va le mettre. Niveau 30. Mais à 5-6 pour essayer, pas trop. Franchement, très silencieux. Non, c'est pour moi, là, le mien, quand je regarde Bleach avec ma meuf et que je le fais, on n'entend plus rien, frère. Ah, bah ouais. Faut regarder. Ça va, même là, ça va. Hein. Bah, on entend quasiment rien. Ouais, mais j'avais à lui. Bon, là, il y a sa veste. Ça va, il est pas si bien. Mais il est bien esthétiquement. Ah, non, vous le tuez sa mère. Et il est bien esthétiquement. Ah, j'ai fait les pecs hier. Il est bien esthétiquement. Les cuisses, tu les as pas vécu combien de temps? Ouais. Ça va y aller. Tout seul. Ça va y aller. Esthétiquement, il est bien. Un petit peu lourd. Le manche un peu gros, mais j'ai l'habitude. Allez. L'habitude, regarde comment il se montre. J'ai l'habitude. Le prix pour celui-ci? Lui, il est cher. Moi, je dirais 169. Moi, je dirais 250, frère. Non. Ah bon, entre 289. Non, 239. 239, vas-y. 239. Donc le Meco, plutôt sympa l'emballage aussi, c'est l'un des plus beaux. Ouais, l'emballage est stylé. Il n'y a pas de sacoche? Non.
Voilà, ça pue, ça me... Donc, pas de sacoche, les gars. Vous pouvez pas le transporter comme vous voulez. Vous n'avez ça pour le transporter, ils sont malades ou quoi? Ah ouais, vous avez quand même... Bah, vous avez le petit sac pour le transporter. Par contre, c'est bien, il se sépare en beaucoup d'endroits de morceaux. Il a l'air petit. Il est gris, petit. Ça change un peu des couleurs. T'es teubé ou t'es... Wesh, tu fais exprès. It was at this moment that he knew. Ah là, ah, si tu galères autant avec ta meuf, compliqué là. He fucked up. C'est une poêle allumée, je t'arbé, wesh. Pimous, fait un truc. Bah, le problème, c'est qu'il s'allume pas. Mais une boule déjà. Si, c'est bon. Caresse Bastos, laisse-moi tranquille. Non. De tous les pistolets de massage, on n'a pas vu une boule aussi grosse. Il est lourd, wesh, il est petit, mais il est lourd. Lourd. Mais le manche, il est petit, hein, ce que je vois. Franchement, il est pas mal, tiens, essaye. Mais il est lourd, tu crois pas qu'il est lourd, frère? Non, ça va, wesh. Ouais, mais niveau bidon, tu peux pas monter. Tu peux pas monter de trop, mais il fait pas trop de bruit. Oh, il envoie celui-là. Oh, ouais, pire que du décor. Là. Oh, c'est joli, truc. Ah, il a raison, il y a Hala. On là, il faut garder. Ouais. Allez, il y a toujours son triceps, je sais pas ce qu'il va faire. Allez, il ment. Ouais, c'est mon mère qui me fait manger. Il est pas puissant. Je suis naturel. Sur les deux. Donc lui, il avait combien de vitesse? 5-6, je crois. Bon, après, c'est pas parce que vous avez 6 vitesses dans l'un et 20 dans l'autre que c'est pas la même puissance. C'est juste que tu peux pas doser, c'est chiant. Non, mais peut-être que vitesse 20, ça correspond à, je sais pas, 200 watts, je dis n'importe quoi. Et ça, 5, c'est 200 watts. Et vitesse 5 ici, okay. C'est 200 watts aussi. Mais le truc, c'est que vu que t'as que 5 crans, tu peux pas doser vraiment comme tu peux pas monter progressivement, c'est vrai. Donc t'es là, frère, tu passes de 4 à 5, tu te fais enculer. Voilà pour le Meco, vous en pensez quoi? Le prix pour vous? Je vais choisir. Moi, je dirais 60 balles celui-là. 60 balles? Non, pas possible. Hop, je le garde. Ah oui, mais il reste... Ah, 79. Ah non, il est déjà pris. Déjà pris 89. Déjà pris. Il reste que des chiens, frère. On a fait le camp. A few moments later. Ça réfléchit, ça. 169. Arrête, wesh. Ah, c'est lui, il aime pas. Allez, Carlos Bijou, il aime bien, frère. 169, j'aime pas du tout. 169, ouais. Packaging est éclaté. Ah, ça, j'aime bien. Rappelez-vous, hein, on vous offre un pistolet de massage par mois, les gars. Donc, activez la cloche. Ça cloche, déjà, c'est bien. Ah, on dirait l'autre. On dirait l'autre, c'est les trois mêmes. Enfin, c'est la lockbox. Ouais, il a cassé. Il est cassé. Ouais, il a cassé lui. Il s'est décollé le truc. Il n'y a pas d'embout. Si, frère, regarde. Moi, c'est bizarre ce que vous faites. C'est pour faire les dents, ça. Pour les cuisses, ça doit être. Ah, les cuisses, ça doit être pas mal. Ça doit être lourd pour les cuisses. L'emboulant, on l'a jamais vu ailleurs. Non, jamais. Essaye sur les cuisses. Non, comme ça, frère, sur les cuisses, qu'est-ce que tu fais? On dirait. C'est quoi ce bruit, frère? Il grince un peu, hein. 35 mètres. Non, frère, sur les cuisses. Ça c'est pas pour les pecs. Pour les mollets, vu que t'en as pas. Rigolo, t'es même pas là, je vais peser. Il est léger. Il est léger, ok. Il a l'air léger, ouais. Non, ça va, ouais, il est léger, c'est vrai qu'il est léger, regarde. Et au niveau du confort? Franchement, il est léger. Ouais, il est très léger. C'est large encore, hein, au niveau du manche. Il fait trop de bruit. Il fait beaucoup trop de bruit. Tu regardes la télé, c'est la merde. Donc tu restes une F1. Tout doucement, il démarre, hein, ouais, frère. Il y a 30 vitesses, hein, ouais. Progressive. 235 chevaux. Et l'embout, il est excellent. Franchement, l'embout, j'aime bien. Ouais. Ça doit être parfait pour le biceps. Hein. Mais le bruit dégueulasse. Ouais, le bruit est ignoble. Ok, c'était le A-Box numéro 1. Attends, le 2, on va trouver un. Moi, je dirais juste en dessous, là. 389. Ouais. Je crois que vous êtes pas loin. Tous ceux qu'on retrouve le prix, on repart avec. Ok, quoi, on passe au... Eh, remets bien tout, parce qu'après, je l'offre, moi, aux abos. C'est des papiers, frère. Ah, que d'un, ouais. De pro, frère. Machin, voilà. C'est le plus cher. C'est 399, je dirais, lui. C'est vrai qu'on n'a pas mis 399. Petit coco, ouais. Tu veux pas la dire celle-là? Je crois que vous avez tout faux depuis le départ. Ouais, on a tout faux, c'est cher. Le plus cher, c'est lequel? C'est lui le plus cher, frère. Non. Il est beau quand même. Une petite sacoche, pas mal. Emballé dans du fil plastique. Ouais, mais souvent, c'est les plus gros packaging. Ils sont le mieux emballés parce qu'ils cachent de la merde. Oh, il est hyper lourd, sa mère. Ça, on verra à la fin. Oh là 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 là. Il est lourd. Oh, ouais. C'est une halter de combien? Wesh, il est énorme. Oh, 4, 5 kilos? Non, t'abuses. Il est lourd, frère. Ouais, 5 kilos. Non, 2 kilos là, 2-3 kilos. Non, tu peux faire du cœur là-bas. Pour moi, ça fait. Bah, tu vas pas juste les vite faire. Ça fait pistolet massage et halter. Comment t'augmentes la vitesse? Oh, c'est nul. Ça, voilà, c'est le moins cher celui-là. Il aime l'autre. Il y a à fond. Il y a un seul bouton. Regardez, il y a un seul bouton. Il y a un bouton, frère. Voilà, donc des fois, c'est des menus. Comment on dit quand c'est avec des écrans? Digital. Digitaux. Ouais, il est pas puissant, il est lourd pour rien. Il a l'air éclaté. Il est pas à fond là aussi? Ah non, il est pas à fond. Bon, il est efficace. C'est le même menu. Au niveau de la perf, il est efficace. Éclaté au sous-sol. Mais. Voilà que c'est le moins cher, on s'est fait arnaquer. Il est pas beau et il est lourd. C'est le moins cher celui-là, mais il reste 60. Ah, il fait mal, wesh. Bah, c'est lui à 60 balles là. Ils nous l'ont offert, on est en train de le critiquer sale. Plus un merde. Mais c'est l'avantage d'en tester plusieurs. Ouais, frère. Nous, c'est pas parce qu'on se fait payer qu'on va mentir. Ça voilà. Mais frère, QNT, ça serait nul, on l'aurait dit aussi. C'est direct. Bien, d'ailleurs, QNT, moins 20% de Fitness Fusion. Bien. Ok, le dernier, petite sacoche, basique, pas de marque dessus. Ni là, ni là. Donc celui-là, on l'a eu sur AliExpress. Trois niveaux. Donc c'est celui d'Albino, on l'a déjà testé en vidéo. Yes, moi je sais ce qu'il vaut, ça fait un an et demi que je l'utilise, presque.
voire 2 ans. Je l'utilise tout le temps. Yahala. Combien? 60 boules, wesh. Ah bah ouais, c'est le dernier. Okay. Donc 60 euros pour celui-ci, pas de marque, rien. Il ressemble un peu à certains pistolets de massage. Il fait le taf, mais c'est tout. Ok les gars, donc on a testé, on a comparé tous les pistolets de massage. Maintenant, on va voir les résultats par rapport au prix donné. Donc faut pas se fier aux apparences souvent. D'accord. Vous allez voir qu'il y a des pistolets qui coûtent très cher, alors qu'ils sont dégueulasses. Et il y a des pistolets qui coûtent vraiment pas cher et qui ont tout ce qu'il faut pour un pistolet de massage. On va commencer avec le Akedawe. Frère, ah ouais, c'est impossible, c'est le lourd qui pue sa merde. Je l'ai dit, je vais te le dire en plus, c'était plus cher. C'est je l'ai dit, moi je l'ai dit, ouais, frère. Ah oui, je l'ai dit. Non, ça se peut pas. Juste pour ça, là. Voilà. Donc le Akedawe Gun avec un prix de 399$, 327€. N'achetez pas ça, j'en ai rien. Le body time, les gars. Donc le body time. Attends, on va montrer. Ouais, on sait qu'il fait 250. Donc la mallette, je vous ai dit, elle a arraché, mais ça c'est aussi de ma faute parce que je mets une balance dedans, donc le poids c'est pas le bon normalement. Mais sinon le pistolet marche toujours, la batterie tient toujours, il est toujours en bon état. Il ressemble aux autres. Il y a un peu de peinture là qui s'est enlevée, mais sinon il marche toujours. En fait, c'est cher parce que c'est écrit Bouchita. Tout aussi bien. Sinon c'est les mêmes que l'autre là, que un box là. C'est ça. Il faut bruyant. Mais rappelez-vous, il est très bruyant. Donc celui-là, c'est l'un des pistolets les plus chers, 250€, juste après le Akedawe. En position 6, le Tokfit Gun. 89 on avait dit. Ouais. 89. C'est plus cher que ça. Et vous savez il est à combien? Combien? 196€. C'était sûr, il est pas mal hein. En cinquième position, le Jolt. Ouais, c'était sûr. Je le savais. C'est celui-là. Parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes. 149. C'est les mêmes, donc forcément. Donc lui on avait dit 149$ et c'est 179€. Donc 200$ à peu près, 230$. En quatrième position, le Evertop Gun. Donc il vaut 155€. C'est quoi ce pistolet de la honte là. 155€, sachant je donne pas un euro dans ça. Qui est dégueulasse et que la batterie elle fonctionne pas quand on l'a reçu. Ok, en troisième position, le Abbott Gun. Ce gun il vaut 149€. Le Recover Fun, donc lui malheureusement on n'a pas pu le tester parce qu'on l'avait déjà offert à un abonné. Et le best, donc le moins cher. Est-ce que c'est le meilleur? Ça on vous les a présentés, vous verrez. C'est le Meko. C'est le Meko, donc le Meko. Attends, il est bien, il est léger. On l'avait mis à combien celui-là? Vous l'aviez mis à 169$. Attends, il est frais. Et il coûte seulement 89$. Lui il est intéressant tu vois. Donc il n'y a pas de sacoche mais frère. Et vous savez quoi, ils vont dire que c'est de la triche parce que c'est le seul où on a vraiment un code de réduction. Et le code il vous permet de bénéficier de 37% de réduction. Ça fait 50€ du coup. Voilà, donc vous avez un code de réduction si vous le voulez, prenez-le. Est-ce qu'on touche une commission sur les... Bah on touche une petite commission. Ouais faut acheter parce qu'il y a pas. Non mais les gars c'était pas truqué au cas où, je te jure ils vont voir c'est truqué. Bah non. Mais de toute façon vous savez même pas, tu vois je suis même pas au courant. Allez voir, on a testé, on l'a comparé, il y en a des très bien là-dedans. Le moins cher, ça reste le AliExpress, c'est vrai, sans marque, sans rien, 60€ les gars. Et il fait parfaitement le travail. Voilà. Donc maintenant, à vous de voir ce que vous voulez. Est-ce que les prix, ça compte pour votre portefeuille? Oui. Est-ce que ça compte pour la performance du pistolet? Pour certains, oui. Est-ce que si demain tu reviendras en arrière, je te mets tous les pistolets là, plus ton body time, t'aurais pris le body time? J'aurais pris body time pour avoir 10 pistolets de massage. J'en ai eu 10 grâce à ça. Oui, mais si tu dois en choisir un et t'en auras pas d'autres. Ah ouais, j'aurais très bien pu prendre la note. Voilà. Mais grâce à ça, j'ai quand même eu 10 pistolets de massage. C'est vrai. Voilà. Tu vas pouvoir t'en mettre 10 dans le cul en même temps. C'est tout ce qu'on voulait vous dire sur les pistolets de massage. Il y a tous les prix. Choisissez en fonction de votre portefeuille parce qu'au final, même un de chez AliExpress fait très bien le taf. Donc attention à ce que les youtubeurs vous montrent en vidéo, c'est pour vous pousser à l'achat. Nous, on espère que ce comparatif là vous a permis de trouver votre pistolet de massage. N'hésitez pas, prenez n'importe lequel d'entre eux. Si vous en avez besoin, n'oubliez pas que ce n'est pas utile. Que c'est pas forcément utile, bah, voilà, mais que c'est un plus, c'est un gadget. Complément, c'est cool. Voilà. Non, c'est juste pour le halo. Voilà, si vous kiffez la musculation, si vous mettez tout votre azé dans la musculation, bah, prenez-vous un petit pistolet de massage pour vous faire kiffer. Ça fait du bien quand même. Après une petite séance d'eau, tu te masses les trapèzes et tout, ça fait du bien. Peut-être t'as une bonne mobilité. Ouais, tu fais ça. Tu dis une séance d'eau, je prends les trapèzes. Ouais, bon, ouais c'est pareil, c'est une partie de l'abdomen. Bon, ça va, ils ont été sages pendant cette vidéo. On va conclure ici. C'était Fitness Fusion. De Didier Deschamps, vas-y. Vous étiez en présence de Happy Mousse. Didio. Oui, il est perdu. Et Bastos. Force et peur. Voilà. Je dirais Bastos, tu prends lequel? Choisis un. Je te conseille Abox. C'est qui Abox?